Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc, merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Legend of Mushroom, jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous montrer un nouvel événement qui vient d'arriver, qui vient de sortir, le bataille de renversement. Donc là, il y a le pion dame, voyage de renversement, revenir sur la bonne voie, et deux packs en tout. Donc on va déjà voir ce qu'il propose là. Le pack de pierre d'échec, il vous propose une vidéo pour avoir un objet. Ça, c'est payant. Et ça, approvisionnement en stratégie. Récupérer. Ok. Ça, à mon avis, toutes les 4 heures, il y en a. Ok, il faudra venir ici pour revenir. On va tester le premier. On va voir qu'est-ce que c'est pion dame. Ok, ah, c'est tu. Ok, ça c'était tes. Comment ça s'appelle? Les acolytes. Là, tu montes le niveau. On est sur la bonne voie. Jour 1. Ok, donc tu défies. Alors, tu mets tes acolytes. Bon, là, je prends mes acolytes. Alors. Voilà, et voilà. J'ai le choix entre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Entrer dedans. J'entre. Alors, condition terminer le parcours dans un temps limité. Limité. Ok. Allez, au combat. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Obtenez 6 pions d'âme au début. Il est possible de débloquer des pions d'âme supplémentaires en consommant des pierres d'échec. Ce que je viens de faire. Il y a 3 gardes miroirs sur chacune des voies du haut, du milieu et du bas. Donc c'est cela. Éliminez les gardes de la voie correspondante pour passer sur la voie. Ok. Tout équipé. De toute façon, j'ai que cela. Donc, allez, commencez. Ok. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Ah, je mets dessus? Ah, d'accord. Je mets tous sur la même voie. Ah ouais, vaut mieux tous sur la même voie, les éliminer les uns après les autres. Ah, et vous voyez, ah, ça recharge. Ah, c'est un petit sort de petite tower défense. D'accord. Ah, sympa, j'aime bien ce petit mode de jeu. Il est sympa. Bon, là, c'est le niveau facile, donc. Pas double clic, non, tu veux pas double clic, faut que tu fasses glisser. Et il faut finir dans le temps imparti. Yes! Premier niveau terminé. Allez, faut que je fasse le niveau cauchemar. Là, je vais gagner les 3 récompenses. Ok. Ça, c'est le premier jour. Ok, d'accord. On va faire la même chose avec cela. Ah, est-ce que j'ai gagné des points au moins, en fait? Des pions d'âme. Oui, j'ai 30 pions d'âme. Voilà. Parfait. Allez, revenez sur la bonne voie. Ah, ça, c'est la récompense. Et à partir de là, ben, faut payer. Donc, ouais, faut pas arriver. Et tu continues. Donc, on va faire cela. Bonne voie. Tout équipé. Demain, j'aurai les jaunes. Donc. Je vais tester comme ça, moitié-moitié. Son contrat sur un seul. En fait, logiquement, je devrais envoyer en premier un qui peut attaquer. Idéalement, c'est un espèce de tank. Enfin, j'ai pas regardé du tout les. Pour l'instant, c'est un peu facile. Donc, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer qui vous voulez. Il faut regarder un petit peu. Je regarde un petit peu lesquels sont. Alors, là, je gagne une récompense. Quand ça va être plus dur, là, il faudrait que je regarde un petit peu. Ça correspond à quoi? Alors, celui-ci, aucun passif. Celui-ci, probabilité d'infliger des dégâts supplémentaires. Il y en a un qui a peu tanké. Aucun passif. Une enchaînement des compétences une fois déployé. Un combo. Un qui se heal, ça serait bien pour le début.
récupère 2% de PV par axe par seconde. Donc celui-ci, ce serait bien pour commencer le combat, en fait. Au début, hein. Puisqu'il se heal. Donc c'est l'idéal, justement. Et n'envoyer que ceux après. Vous en voyez un qui tave, qui serait heal, là. Et après, les autres attaquent. Alors là, bien sûr, les tout premiers qui sont en haut, moi, ils n'ont pas de compétences. Donc, ils sont un peu plus chiants. Voilà, ils attaquent, mais ils n'ont pas de compétences. Ce sera mieux après les autres qui ont des compétences. Allez, on avance, vas-y. Bien, yes! Et voilà, j'ai fini ce jour-là. Voilà les premiers jours terminés. Je vous ferai une autre vidéo du deuxième jour pour vous montrer comment passer si jamais vous êtes bloqué pour réussir. Et vous n'avez plus qu'à avancer dans le jeu. Là, moi, j'ai quelques pions, non? Écoutez, là, je vais garder mes pions pour économiser, pour avoir les jaunes dès demain. Parce que je pense que là, si je suis à 30, il doit être à 60 ou à 90 au moins. Donc, autant garder pour demain, parce que là j'ai tout fini, autant les garder. J'aurais dû même garder ceux de tout à l'heure. Il faudra que dans toutes les 4 heures, vous récoltez cela, parce que c'est pas, c'est sûr que c'est 20, mais 20 plus 20 plus 20, ça pourra récupérer ce que vous avez. En tout cas, voilà le premier jour de bataille de renversement. Je vous ferai une autre vidéo dès demain sur le niveau 2, pour le deuxième jour, pour avancer, pour avoir la petite récompense. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet événement vous plaira et cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.